Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Craftly, une commande que j'avais passée avant de partir en vacances. Donc là, je suis rentrée. Nous sommes le 14 août. Elle a été réceptionnée il y a déjà quelques jours, mais comme je n'étais pas en France, je n'ai pas pu vous le faire voir. Donc là, je vais vous faire voir tout ça. Vous avez déjà un aperçu. Cette commande, je l'ai passée parce que j'avais besoin de lame de rechange pour mon massicot. Donc c'est le massicot Wear Memory Keepers, le rose. Les lames de rechange, j'aime bien les prendre chez Craftelier parce qu'en général, elles sont souvent en promo. Elles sont moins chères sur un autre site, mais j'avais besoin d'un autre article qui, lui, n'était pas du tout sur l'autre site. Donc voilà. Donc les lames de rechange, je les ai payées à 5,99 €. On peut les trouver moins chers quand même, mais moi j'aime bien. En plus, les frais de port sur Craftelier sont pas excessifs. D'ailleurs, même si vous atteignez un certain montant, vous n'avez plus de frais de port. Moi, je les avais pas, donc j'ai payé en frais de port. J'ai dû payer à peine 5 €, 4,96 € d'après ce que je vois à l'écran, parce que j'ai ma facture à l'écran derrière la caméra. Donc ça, c'était obligatoire parce que je suis en train de vous faire un tuto sur un album et à la découpe, mon massicot commence à faire des peluches sur le papier, c'est pas très propre. Donc, on va changer ça tout de suite après et on va pouvoir reprendre le tuto. Ensuite, j'ai commandé des perforatrices d'ongles parce que je suis une grande fan des perforatrices d'ongles. C'est pas comme si j'en avais pas parce que j'en ai déjà. C'est pas énorme en quantité, je sais que certaines en ont plus. J'en ai déjà une qui fait des angles ronds que j'ai acheté dernièrement, juste avant de partir en congé. J'en ai une autre qui fait des angles ronds mais avec trois petits cœurs. Une autre qui fait les inserts photos avec un angle, elle ne découpe pas l'angle. Et celle-ci qui fait l'angle rond avec une petite étoile. Voilà. Alors, je vais essayer de vous faire voir quand même. Donc. Mon papier n'est pas assez grand, ce qui fait que. Là, voilà. Alors, celle-là, ça donne ça. Donc, un angle rond avec une petite étoile. Là. Ensuite, celle-ci, donc elle, elle fait que les encarts photos. Elle ne fait pas l'angle réellement. Donc, l'angle est toujours droit, mais ça fait l'encart photo pour glisser la photo. Hop. Celle-ci. Elle fait un angle rond avec trois petits cœurs. Donc celle-là, c'est la marque Realia, j'ai oublié de vous le dire. Celle-là, c'est la marque Artos. Et j'ai une perforatrice de bordure avec des étoiles et des lunes avec. Celle-là, c'est la marque Artemio. Et celle-ci, qui est beaucoup plus simple, c'est pour faire simplement un angle arrondi. Voilà, simplement. Et parce que j'en ai pas assez, hein, tant qu'à faire. Donc ce que je vais faire, je vais redécouper là comme ça. J'ai pris celle-ci. Donc je les ai payées toutes les deux 3,77 €. Elles ne font pas le même angle. Alors, celle-ci fait un arrondi à 2,5 cm. Je vais essayer de ne pas me blesser en ouvrant l'emballage. Donc c'est de la marque Craftelier. Et quand on fait l'angle, vous voyez, ça fait un angle comme ceci. Moi j'aime bien. Ça ne servira pas forcément tous les jours, mais moi j'aime bien. Et celle-ci, elle fait un angle arrondi. Par contre, il n'y a pas la taille de l'angle qui est marquée. Alors j'espère que l'arrondi n'est pas le même avec celle que j'ai achetée de chez de chez Artemio. Sinon, c'est dommage. Alors,
Et donc, ça fait ça. Dans l'autre sens, en fait. Vous voyez, il y en a une qui creuse et l'autre qui fait juste le rond. Et ce que je vais faire, essayer de couper droit pour que ça fasse plus propre. On va comparer les deux arrondis entre eux. Craftelier et Artemio. Voir la différence de taille. Ouais, c'est pas le même, donc c'est bon. Là, vous avez un angle qui est quand même assez grand. Et là, vous en avez un plus petit. Donc c'est bon, je ne me suis pas trompée dans les tailles. C'est déjà ça. C'est ce que j'ai eu. En ouvrant le carton. Hop, donc ça va aller dans la poubelle au tri sélectif. Je pousse mes perforatrices et l'objet du délit qui m'a coûté le plus cher dans ma commande, mais il était en promo. Je l'ai payé à 18,19€ alors que je l'avais vu sur un autre site à plus de 30€. C'est un tapis de découpe en verre. Il est dit extra grand, il est mat, c'est de la marque Tonic Studio. Alors je sais que plusieurs d'entre vous en ont un, et je sais qu'on en voit beaucoup sur les vidéos de pas mal de filles. Moi j'en voulais un parce que ça permet quand même de faire pas mal de choses comparé au tapis de découpe en carton de chez Action. J'essaie de ne pas faire trop de bruit avec le plastique et surtout de ne pas faire tomber le tapis par terre. Ce serait quand même ballot de le casser en pleine vidéo quand même. Hein. Alors, ça va par terre. J'enlève. Donc, il y avait des protections d'angle. Voilà. Je les enlève et je vais les garder au cas où j'aurai besoin de les déplacer un jour. J'en mettrai les protections. Au dos, vous avez des tampons antidérapants. Voilà. Il est lourd. Donc, j'enlève celui d'action. Donc, celui d'action faisait 42 cm sur 27. Donc, c'était un petit peu plus grand que le A3. Non, je dis bêtises. 21, 29, 7, c'est... Non, un tout petit peu plus petit que le A3. Et donc celui-ci, vous voyez, il est beaucoup plus grand. D'ailleurs, vous ne pourrez pas le voir en entier. Donc, je vais vous le faire voir comme ça. Donc là, vous avez une partie avec des petits carrés. Là, vous avez une partie au milieu avec les différents formats. Donc du A6, du 15-15, du 10,5 par 21, du A5 et du 13 par 13. Et ici, vous avez une autre partie avec un guide pour faire des tailles de cartes. Donc ça va du 2,5 par 6,8 à 10,5 par 14,8. Et là, c'est des rectangles en maximum à 6. Et celui-ci, c'est pour faire des carrés, donc de 3 par 3 jusqu'à 14 par 14. Et donc dessus, comme c'est lisse et que c'est pas du papier... Déjà, la colle chaude va déjà être plus facile à enlever. Et on peut faire des patouilles, parce que c'est du verre et ça se nettoie. Un simple coup de chiffon ou un simple coup d'éponge. Donc, c'était le but. Alors, je vais juste regarder. Il y a juste... Je suis sur le site de... C'est pas ça que je voulais faire. Je reviens. Alors, récemment commandé le tapis de découpe pour avoir les dimensions. Alors, moi, je l'ai payé, je vais quand même vous le redire, je l'ai payé 18,19€, il était en promo la semaine dernière, il y a une semaine et demie, presque deux semaines, deux semaines. Donc, il était à 18,19€, et là, il est toujours en promo, il est à 23,39€ au lieu de 25,99€. Donc, c'est encore intéressant, mais moi, je l'ai eu encore moins cher, j'ai eu 6€ moins cher. Donc, ils disent que c'est du cristal. La taille, ce serait bien de me dire la taille. Donc, c'est du cristal trempé. On peut peindre et mélanger, s'en servir comme base de couleur pour faire de la peinture et du mélange. On peut l'utiliser avec des encres, des stresses, ou faire des taches, des peintures acryliques, des pâtes. On peut mélanger sur la planche elle-même. Et la nettoyer facilement.
Les mesures sont en centimètres, certaines en pouces. Alors là, c'est en centimètres, là, c'est en centimètres, là, c'est en centimètres, la grande partie. Et certaines en pouces, alors là, ah si, c'est celle-ci qui est en pouces. Donc c'est vraiment pas grand-chose en pouces. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? La base de découpe possède des petits supports en silicone sur les coins pour l'empêcher de bouger. Donc ça, je vous les ai fait voir. La taille, elle fait 60 cm. Donc sur toute, je vais le faire voir ici, vous allez voir ma main. Donc ici, 60 cm. Et en largeur ici, elle fait 36,6. Le quadrillage en lui-même fait 41, donc 42, parce que 41,91 par 34,03 là. Et donc, pour ceux qui veulent en inch, ça fait 14,3 la totalité de la plaque sur 23,6 inch. Donc, c'est la marque Tonic Studio. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'avais dans ma liste d'envie depuis au moins 2 ans, que je n'avais pas prévu de payer 35 ou 40 euros. Et là, je suis bien contente parce que je ne l'ai vraiment pas payé cher. Donc, au total, je l'ai eu à 18,19 €. Les lames de rechange, 5,99 €. Excusez-moi, c'est encore mon téléphone. Les perforatrices, 3,77 € chacune. Donc, au total, j'en avais pour moins de 30 €. Avec les frais de port en plus, donc 4,96 €. Et j'avais des points d'avance puisque j'avais acheté chez eux ma machine Proser pour faire la scan and cut. Et donc, j'ai eu des réductions avec ces points. Et donc, au total, vous voyez, frais de port inclus, j'en ai pour 28,27 €. C'est-à-dire moins cher que la plaque quand elle n'est pas en promo. Donc, je suis très contente, Craftelier. Les promos, c'était très intéressant cette année. Voilà, donc, il ne reste plus qu'à travailler dessus maintenant. Ma petite merveille. Donc, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, c'était de très, très belles vacances. On a eu très chaud. Nous étions en Sicile et c'était très instructif, on a fait beaucoup de visites. On est monté jusqu'en haut de l'Etna, qui est un volcan qui est en perpétuelle éruption, mais qui n'est pas actuellement en éruption, il est juste en éruption de gaz actuellement, il n'y avait pas de coulée de lave. Parce que sinon on n'aurait pas pu monter tout en haut forcément. Mais il y avait des échappées de gaz et... il y avait des endroits sur l'Etna où le sol était encore chaud parce que les anciennes coulées n'avaient pas eu le temps de refroidir encore. Donc c'est vraiment super. J'espère que vous, ça a été. Donc laissez-moi en commentaire ce que vous avez fait pendant vos vacances. Dites-moi également ce que vous avez envie de voir comme vidéo. Moi, je reprends mon petit rythme tranquille, donc avec cette petite coupure de vacances. Et je vais peut-être enlever maintenant mes bracelets parce que sur la plaque, ça va faire du bruit. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir.